Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre présentation de l'Oraclip, cette fois-ci sur l'application Screencast-O-Matic, application web très connue pour faire de l'enregistrement. Alors, dans une première vidéo, je vais vous présenter en fait qu'est-ce que c'est et puis comment choisir le type de forfait en fait qui pourrait vous intéresser. Et dans une seconde vidéo, en fait, je vais vous montrer les utilisations de base. Alors, sans plus tarder, allons sur Screencast-O-Matic. Alors, Screencast-O-Matic vous permet de faire de la création vidéo de manière très simple à partir de votre poste de travail. Ça ressemble un peu à ce que je fais présentement, les petites capsules de l'Oraclip, bien que dans mon cas, j'utilise un autre logiciel un peu plus complexe qui s'appelle Open Broadcaster Studio que vous retrouverez dans ma médiagraphie. Mais si vous êtes débutant, Screencast-O-Matic est particulièrement intéressant. Maintenant, il s'offre de deux manières. La première, vous pouvez aller ici faire Start Recording for Free. Et si vous faites ça, en fait, c'est que ça va utiliser une espèce d'application greffon en ligne. Et là, vous allez pouvoir faire Launch Recorder. Et ça va démarrer. En fait, on vous demande de l'ouvrir. Là, je vais l'annuler pour l'instant. Je vous le montrerai peut-être dans l'autre application, dans l'autre vidéo. Donc, c'est extrêmement facile à utiliser. Et vous pouvez également utiliser le client lourd, donc télécharger la version complète de l'éditeur pour le bureau. Maintenant, quels sont les forfaits? Si on va voir le pricing. Ah, c'est un petit peu lent, là. On prend un petit peu. Bon, voilà. Alors, par défaut, en fait, si on comparaison, vous avez la version Deluxe et Première. Et là, ce qui est un peu étrange, c'est, mais où est la version gratuite? Bon, vous la retrouverez pas dans cette page. En fait, étrangement, la version gratuite, on ne vous le mentionne pas nécessairement. Mais essentiellement, elle vous permet d'enregistrer jusqu'à 15 minutes de présentation vidéo. Et elle vous permet de le sauvegarder, de l'éditer légèrement. Et de vous mettre un visage en mortaise, ce qui est souvent extrêmement suffisant. Donc, si vous commencez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ne prendre aucun de ces deux plans et commencez donc avec la version gratuite. Si maintenant vous êtes un accro, vous avez vraiment aimé ou vous faites beaucoup de vidéos, à ce moment-là, je vous inviterai à prendre la version Deluxe. Et de vous créer une chaîne comme moi sur YouTube, puisque dans le fond, vous n'aurez pas besoin d'héberger vos vidéos ou quoi que ce soit, ce qui serait peut-être plus dans la version première. Donc voilà, 1,65$ par mois, ce n'est quand même pas très cher pour tester. Alors, ça vous débloque en fait une quantité illimitée de temps. Mais en même temps, au-delà de 15 minutes de sauver des vidéos, ce n'est vraiment pas conseillé. À ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis la version gratuite est probablement suffisante. Donc voilà. Alors, évidemment, vous pouvez vous enregistrer si vous le souhaitez. Sign up. Lorsque vous vous enregistrez, vous pouvez utiliser le connectoïde de Google, par exemple. Ce que je vais faire. Et vous voyez qu'en fait, moi, mon plan, il est de base. J'ai pas utilisé rien. La seule chose, c'est comme je n'ai pas de forfait Deluxe ou Première, je n'ai pas accès à l'éditeur vidéo. Mais si je planifie bien mes vidéos et que je les séquence bien, il n'y aura pas besoin de montage. Donc, je vais tout simplement utiliser le recorder qui, lui, est gratuit, comme je le mentionnais, pour des durées de 15 minutes. Donc, voilà. C'était aussi simple que ça, en fait, pour se connecter et... Puis voilà, c'était Screencast-O-Matic. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo, en fait, pour les utilisations de base.